Et avec cette tuerie de Toulouse, la violence a imposé une pause dans la campagne présidentielle. Certains candidats ont décidé de stopper leur campagne pendant quelques heures, au moins jusque ce soir. Les militants, eux, continuent de battre le pavé. C'était le cas de Lutte ouvrière hier. Les militants ont organisé une grande distribution à Lille, à la sortie de métro Porte de Douai. Ils ont choisi la fin d'après-midi pour toucher un maximum de monde et pouvoir expliquer le programme de leur candidate, Nathalie Arthaud d'ailleurs, qui sera à Lille mercredi prochain à la salle du gymnase pour détailler ses mesures présidentielles. Alors, pourquoi choisir le tractage comme mode, eh bien, de rencontre avec les habitants et les électeurs? Plus d'explications au micro de notre reporter, Charlotte Notegem. Ça permet de discuter pendant cette campagne électorale avec les salariés, avec les chômeurs, avec les gens qui passent, de la situation actuelle et des raisons pour lesquelles il faut voter pour Nathalie Arthaud. Tout est important dans une élection, surtout de faire connaître nos idées, notre programme qui est un programme de lutte. Et là, en l'occurrence, on prépare et on invite à la réunion de Nathalie Arthaud, au meeting qu'elle va tenir mercredi.